tous, bienvenue dans Antistatique TV. En fait, on a fait un petit film pour vous, un film d'animation juste pour vous. Nous espérons que vous avez bien aimé le film. J'espère que ce film vous ferait plaisir. On a travaillé beaucoup dessus et bon film et à bientôt. Le manque de nourriture, les maladies, parasites, varroa, champignons, nosema, sont des menaces qui pèsent sur les abeilles. Les insecticides, fongicides, engrais et désherbants sont également incrimés dans leur déclin. Ils pourraient causer un affaiblissement du système immunitaire, la mort prématurée et la disparition d'une colonie entière. Ces agents polluants sont néfastes pour les abeilles et, par voie de conséquence, pour nous. Les changements climatiques, les espaces invasifs, les ondes électromagnétiques seraient encore d'autres facteurs impliqués. Partout dans le monde, nous assistons au dépérissement des abeilles. C'est un signal d'alarme dont nous devons tenir compte. Chacun de nous peut agir à son échelle. Bébé, on y va. Je te remercie de m'emmener au McFlower pour goûter leur nouveau sorbet. Vraiment, j'apprécie beaucoup de ta part. Bah, je sais, le McFlower, j'avais aussi envie d'y aller, mais franchement, c'est pour te faire plaisir, quoi. Ouais, mais finis au moins ton assiette, quoi. Il me donne des maux de ventre tout d'un coup et des maux de tête. On pourrait rentrer à la maison. Ça coûte cher, tu sais, hein, 23 euros pour 250 millilitres. Mais je commence à sentir des douleurs au niveau du ventre. Il a un goût bizarre aussi. Chérie, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, ça va? Mais... je sens plus son pouls. Appelez une ambulance. Vite, elle va mourir. Oh, chérie, reste avec moi. Je suis sûre que c'est à cause de ce sale miel. Oh, ils vont me le payer. Il va me le payer. Je vais me venger. Ce miel. Ah, oh, je vais me venger. Abu Dhabi. Flash spécial. Madame Muscler a été victime d'une glace à la miel au McFlower. Que faire? Et tu t'enlèves le que faire, du coup. Bon, alors, on a toujours le 500 petits chinois qui travaillent dans nos usines. Payé 1 euro du mois, on fait plein de bénéfices. Ah, dire qu'on leur fait croire que
C'est des ouvriers qui sont bien payés et tout. Oui, bonjour, j'ai un rendez-vous avec monsieur Abdelzar. Vous êtes sûr? Oui, oui, je suis Henri Delca. Sûr, sûr? Oui, oui. Attends, je vais regarder. Entrez! Ah ouais, c'est bon. Bah, je pourrais rentrer, s'il vous plaît? Attendez, attendez. Vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Bonjour, on est en direct des tours d'Abu Dhabi avec monsieur Abdelzak ici présent. Monsieur, comment vous avez eu ce grand succès? Mon miel, il est trop bon quoi, c'est genre le meilleur miel du monde. Et alors, j'arrive à faire de la bonne pub, les gens m'adorent quoi. Bon, j'avoue, c'est un peu cher, c'est 23 euros pour 250 millilitres, mais c'est fait par des petits producteurs artisanaux qui sont assez loin, donc faut bien les payer. Je pense que c'est le minimum, quoi. Ok, monsieur, merci beaucoup. Merci. C'était Hubert de la Garde, en direct de la tour d'Abu Dhabi. Merci, au revoir. Dire que j'arnaque tout le monde avec mon miel dégueulasse. Et en plus, j'exploite tous les petits apiculteurs qui n'ont pas assez d'argent. Il va ramasser, hein. Je vais te défoncer. Oh, de ça ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ma femme est dans le coma à cause de ton miel, là. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? C'est pas mon miel. Mon miel, c'est le meilleur du monde. Et pourquoi elle est dans le coma ? Mais, je sais pas. De toute façon, tout le monde doit mourir un jour. Je sais pas, fais-y toi. Il y a des représailles contre toi. Ouais, c'est ça. Sécurité, sécurité. Venez m'aider, il y a un fou là. Qu'est-ce qui se passe là? J'entends du bruit. Mon... Attends, c'est fini. Mon miel, c'est le meilleur, mais ah, je suis malade. Oh, j'ai envie de voir. Le patron a été kidnappé. Que faire? Abu Dhabi. Bonjour. On recherche actuellement monsieur Musclor, qui a kidnappé monsieur Abdelzak, l'industriel de miel. T'as mis quoi dans le miel? T'as tué ma femme? C'est pas possible! Mon miel, il est trop bon! Ouais, mais pourquoi elle est morte maintenant? Je sais pas! À l'aide! À l'aide! Bon, si t'arrêtes pas de mentir, tu sais où tu vas finir, hein? Je vous promets, il n'y a pas d'uranium dedans, me tuez pas! Je sais pas, je vais réfléchir, tu sais. Abu Dhabi! Flash spécial. Nous recherchons actuellement M. Abdelzak. Il est devenu le numéro 1 de Abu Dhabi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, te voilà! Je suis venu défendre mon patron et toi, tu fais quoi? Pourquoi tu l'as pris avec toi? Je viens dévoiler tout ce qu'il a fait, le miel qu'il a empoisonné à toutes les personnes. Mais quel miel? Le miel, il est trop bon chez lui, lâche-le! N'écoute pas, tue-le! Non! Je vais dévoiler ça au monde. T'as intérêt à déguerpir parce que sinon c'est moi qui vais le faire. Abu Dhabi ne mérite même pas des personnes comme vous. Tu connais Super Boom? Il va peut-être arriver. Ah ah, c'est qu'une légende ça, il n'existe pas. C'est ça. On te le tue oui ou non là? C'est bon, là maintenant, j'en ai marre. Super Biz! Super Biz! Biz! On m'appelle! Je suis au secours! C'est où? Si, on y va. Super, je suis là. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison là? Quoi, il existe? Alors ce n'était pas une légende? Il trafique du miel. Aidez-moi! C'est pas vrai. Ok, monsieur, j'arrive. Gros lâche, ça va pas. C'est quoi ces cartes corps de 1? Super Buzz, attrape-le, je garde le patron. Super. Non. Ah!
l'âge spécial. Nous avons retrouvé mort M. Bourdon. M. Abdesak est dorénavant derrière les barreaux. Toute la ville s'en réjouit. Une victoire à Abu Dhabi. Ma chérie, lève-toi. J'ai encore besoin de toi. Ça fait 3 mois que je t'attends. J'ai délivré le monde, Abu Dhabi, de ce vilain personnage. Il t'a empoisonné. Allez, lève-toi. J'ai battu, je l'ai kiffé le miel. Allez, lève-toi. Ah, qu'est-ce qui se passe où je suis? Elle s'est levée. Ah, c'est toi, mon amour. Oui. Ah, je ne te quitterai plus jamais. Plus jamais, promis. Je te le promets, jusqu'à la fin. Je t'aime. Moi aussi. Abu Dhabi. Donc nous voilà en direct dans le parc d'Abu Dhabi pour terminer cette histoire. Alors comment ça va Bonjour, ça va tranquille et vous? Ben la ville s'est bien remise, donc c'est chouette et tout le monde est en prison, enfin les méchants quoi. Genre, ouais, les méchants en prison, les gentils, la cool douce, tranquille, ça va la playa. Ok, ben alors tout est redevenu normal et chouette. Yes. Au revoir. Au revoir. Je vendrai.